Pourquoi, s'il est possible d'accomplir le temps de l'existence comme fait le laurier par un vert plus sombre que tout autre vert, et ses ondulations légères en bordure des feuilles, tel un sourire du vent, pourquoi faut-il alors être rivé à l'humain, fuir le destin tout en l'appelant? Ô mon pas, que le bonheur existe, avantage provisoire d'une défaite prochaine. Non point par désir de connaître, pour exercer le cœur, on trouverait tout cela dans le laurier, mais parce qu'être ici est beaucoup, qu'apparemment tout ici a besoin de nous, ces choses éphémères étrangement nous concernent, nous, les éphémères. Une fois, chaque chose, seulement une fois et jamais plus. Et nous aussi, une fois, jamais plus. Mais ceci, avoir été une fois, même si ce ne fut qu'une fois, avoir été de cette terre, cela semble irrévocable. Ainsi hâtons-nous vers l'accomplissement, afin de le tenir entre nos mains nues, dans le regard trop plein et le cœur muet. Nous voulons devenir accomplis. À qui l'offrir? Il serait bon de tout garder à jamais, pourtant, dans l'ailleurs, hélas. Qu'emporterons-nous? Non pas le regard lentement appris ni rien de ce qui est arrivé, ici rien. La douleur cependant, oui, avant tout, cette pesanteur, cette longue expérience de l'amour. Bref, rien que de l'indicible.